tu vas être dans ton Gmail, tu vas recevoir un message de moi qui va s'appeler télécharger de WeTransfert, qui s'appelle IndiaZip. Tu télécharges. Voilà, ça arrive. Waouh, on est dans un bateau. Tu télécharges. Et là, ça va être IndiaZip. Moi, j'ai déjà. Il est déjà dans mon. Là, tu vas, important, tu vas le mettre dans ton disque dur. Ton disque dur, il est là. Voilà, ton nom. Et il y a bien un dossier qui s'appelle musique. Ok ? Et il va arriver comme ça. Bon, il y aura un dossier iTunes là. Ok ? Voilà que tu fais ça. Bon, là, je ferme tous mes dossiers, mais ça va arriver comme ça. Et dans iTunes Media, là, tu as un dossier qui s'appelle musique. Et c'est là où il y a toutes tes musiques dans iTunes. Il est là. Tous les fichiers sont là. Donc, tu le mets. Tu cliques là-dessus. Musique. IndiaZip. Et tu fais enregistrer. Je te laisse un petit peu. 1, 2, 3, c'est parti. Il te dit, faut refaire enregistrer, voilà. Bon, dis, voilà, là c'est remplacé, mais toi, tu diras oui. Ok. Et là, dans Chrome, hein, tac, tu cliques une fois dessus, tac, et il se dézippe. Voilà, il te dit, tac, il y a une fenêtre qui arrive. Il te dit bien qu'il est dans musique. Il s'appelle India. Il y a le fichier zip, et si tu l'ouvres, il y a toutes les... Vérifie si j'en ai pas. Voilà. Et là, après, tu vas dans iTunes, tu ouvres. Voilà, là, tu arrives dans iTunes. OK ? Alors, tu as vu, dans iTunes, tu peux arriver soit directement dans musique ou alors playlist. C'est pas pareil. Ou pour vous. Ah, ça c'est quoi? Voilà, ça c'est connecté pour en acheter. Les nouveautés, ça c'est nana. Radio, connect, nana. D'accord? Donc, soit t'arrives sur musique, soit t'arrives sur playlist. Ok? Et là, India, elle avait une playlist, là, qui s'appelait je sais pas quoi. Ok? D'accord. Donc là, après, tu vas dans fichier, ajouter la bibliothèque. Hein, je vais doucement, voilà. Ah, mais tu dois connaître, tac. Et là, tu vas chercher ton fichier India. Il est où? Il est dans ton disque dur, dans le dossier musique. Tu ne cliques pas sur le petit dossier, tu cliques sur la flèche. Sinon, il va télécharger. Voilà. Et là, il est dans iTunes. Musique, ça arrivera comme ça, peut-être, voilà. Faut que tu ailles dans musique, iTunes, iTunes Media et musique. Et là, tu fais ça. Tu as ton dossier India que tu as ouvert, que tu n'as pas cliqué là-dessus. Hein. Tu as ouvert, ok. Là, tu as tous les fichiers. Et là, tu cliques sur... Le dossier India avec tous les fichiers MP3 ou Wave. J'en ai rajouté un, tiens. Ça marchera pas de toute façon. Et là, tu fais ouvrir. Il ne se passe rien, bien sûr, c'est iTunes. Et là, tu vas dans musique ou ma musique. C'est pareil. Il ne se passe rien, alors tu vas dans ma musique. OK. Et tu cliques là. Date de l'ajout. Ok ? Ils y sont. Ils y sont même deux fois. Ok ? Donc là, pour refaire la playlist, parce qu'à mon avis, ça va pas marcher, ou alors tu vas dans la playlist et tu sélectionnes son ancienne playlist. Par exemple, voilà, Horizontal India. Et là, tu as les fichiers rouges, là. Et bien, tu cliques droit dessus
Et là, tu vas je sais pas où tu vas, mais tu vas. Il y a adoré, tiens. Clique sur adoré. Cliquez droit toujours. Voilà, ils y sont quoi. Ils sont là. Ok. Ça a marché ou pas? Tu me racontes?